Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, l'essentiel du vocabulaire espagnol. Donc c'est un vieux dictionnaire. Ouais, c'est un dictionnaire. Oui, c'est un dictionnaire. Oui, j'ai pas écrit, mais c'est un dictionnaire. Donc, l'essentiel du vocabulaire espagnol, simple et pratique. Donc, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Comme j'adore l'espagnol, je me suis dit, on va lire des phrases. Donc là, on va commencer. Je ne sais pas si je dirai tout. Le vocabulaire, du coup, à toi de me dire si tu veux que je refasse d'autres vidéos. Du coup, je vais commencer là avec les vacances, las vacaciones. Alors, par contre, ne tenez pas rigueur de mon accent, enfin, de mon accent, ne tenez pas rigueur de la façon dont je dis les mots. Parce que je ne suis pas du tout espagnole. Même si je trouve la langue super jolie. Mais voilà, ça risque d'être sympa. Alors, on va faire, du coup, je vais lire là, dans un premier temps, pour une première vidéo. Et après, je lirai les autres. Parce qu'il y a beaucoup de mots. Et dans le sommaire, voilà, il y a beaucoup aussi de catégories. Donc il y a les vacances, le restaurant, la nourriture, les moyens de transport, la voiture, la circulation, la ville, la famille, les animaux, les jeux, les loisirs, pays, voilà, tout ça. Alors, je vais commencer. Donc, las vacaciones, les vacances. Alors, viajar. Alors, je sens que ça va être génial. Il me semble que le J en espagnol, on le dit ja, enfin gar, viagar, voyager. Je ne sais pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Mais dis-moi si tu sais parler l'espagnol, si ça se dit comme ça. Alors, ensuite, el turismo, le tourisme. El turista, le touriste. Las vacaciones, les vacances. Alors, salir de viaje, oui. Partir en voyage. Hacer turismo, faire du tourisme. Alors, c'est pareil, les L, je ne sais pas si ça se dit salir ou saillir. Donc je vais le dire à la façon française. Salir. Ouais, non, peut-être pas à la façon française. Salir des vacaciones. Partir en vacances. El viajero, le voyageur. Los preparativos de viaje, les préparatifs de voyage. El equipage. Ou l'équipage, je ne sais pas. Les bagages. Hacer la maleta. Faire les valises. La agencia de viaje. L'agence de voyage. El folleto turístico. La brochure touristique. Réservé. Déjà ou dégâts. Una señal, verser des arrêts. Oh là, ben même en français, alors je suis. C'est là. Verser des arts ou arrêts. C'est quoi ce mot? On va utiliser le téléphone et on va chercher la définition de arrêts. C'est écrit comment?
somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat. Ok. D'accord. Viagar à Paises Leganos. Voyager dans des pays lointains. Alors, par contre, je vais bien voir comment ça se fait. Je vais regarder avec mon ami traduction. Je vais mettre en espagnol. Comment est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'il y a le son? Je vais mettre un tout petit peu. Alors, est-ce que ça se dit Viajar ou Viagar? On n'entend rien. Ok, Viagar. Super. Je ne sais toujours pas si je le dis bien. Et je voulais voir la salaire de vacationnaire. De vacationnaire. Accéder. Alors, est-ce que ça s'est dit salir ou saillir? Et si ça se trouve, ça ne dit aucun des deux. Salir de vacaciones. Ah, salir. Salir de vacaciones. El viajero. El viajero. El viajero. Il ne prononce pas. Ou c'est ça, je crois qu'on ne prononce pas. Enfin, je crois. D'après Google Traduction, ça ne se prononce pas. Après, des fois, ça dit pas non plus que des bonnes choses. C'est pas toujours bon sur Google Traduction. C'est déjà folie, folie to turisco. Le N avec la petite vague. Je crois que ça se dit Nia. Je vais rien mettre la petite vague. C'est Nia. Normalement, ça se dit Nia. Signal. Ouais. Ah, je dépasse quand même. Et alors, voilà, turistico. Ah, j'aime bien qu'on m'a dit touristico. Touristico. D'accord. Donc voilà pour les vacances, las vacaciones. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.